cette fois-ci sur Xbox, et on verra s'affronter Ulibarri, qui est lui mexicain, face à Daxi, qui lui est un joueur de la team PSG. Ulibarri! Et on va tout de suite, tous ensemble, accueillir le second joueur. Il est français, faites un maximum de oui! Donc vous attendez tous beaucoup, on le sait, bonne chance. Messieurs, je vous laisse à la bonne scène, du coup on est parti pour ce second match de FIFA 18. Carte de ballon ici au milieu de terrain avec allez, sans Brunel Pierre, donc il va pouvoir attaquer. Là, le petit raptor ici, on va s'acheter sur Rodrovic qui vient apporter du soutien, et quel soutien, Lionel Messi qui peut tirer, frappe à terre, double rond. Et voilà, ça fait 1-0 pour le Mexicain. Ouais, pas grand chose à dire. L'action vraiment très très belle avec la finition de Messi. La très belle combinaison. Vraiment très très propre. Et bien c'est technique hein, ce joueur mexicain. Absolument, et on l'a vu là. Et Dax qui se fait surprendre justement. Perte de balle de Patrick Vieira. Ça c'était assez inattendu finalement. Et on va pouvoir repartir justement du côté du Mexicain. Une très bonne défense de Rio Ferdinand qui perd ce ballon. Neymar, attention! Attention à Neymar! Et le gardien de la ligne de l'Olympique Lyonnais qui s'est allongé. Il s'en sortait très bien, Max. Il avait reconnu l'erreur, il aurait pu débuter un deuxième but. Quelques petites erreurs. Il a mis la balle de pouce, il avait une passe à faire directement dans la surface. Il a trop tardé, heureusement pour Max. Oh là, c'est bien fait techniquement de la part de Max! Et le pénalty! Et le pénalty obtenu. Une Mbari qui était à deux doigts justement de briquer dans ce match. Ça a finalement pour cette pénalty. Hernandez qui a pris deux bannes énormes, attention, il prend bien son temps avant, c'est lancé, Hernandez! Et c'est bien tiré, Hernandez, Charon! Exactement, radicalement changé, oh là là. Le style d'équipe, ouais, ça c'était beau ça, hein. Ça c'était un élastico, encore une fois lâché, ils sont toujours efficaces ces gestes. Attention la Del Piero, oh la Del Piero! L'action est très propre, hein, comme tu l'as dit, Elastico, Cristiano Ronaldo, au milieu de terrain, Del Piero, on voit beaucoup. Pardon, dit Del Piero, très technique, on a peut-être un petit peu d'arrogance, je ne sais pas. Je sais pas, mais en tout cas, ouais, la technicité, encore une fois, là, de Kylian Mbappé. Le but est très joli, ça, on peut pas nier. Non, on peut pas nier. Le public, d'ailleurs, a apprécié clairement. Et Dax, donc, mené, Lucas Cuillerier, il va falloir aller chercher encore une égalisation. Hernandez, qui va revenir sur ce réseau. Pas frappé pour l'instant, mais essayer de faire sortir la défense avec un Messier au plus près de David Derrière, ce ballon qui revient sur le Messi. Lionel Messi du pied droit qui finalement peut tromper David Derrière. Exactement, au meilleur moment. Allez, le corner joué en deux temps par le Mexicain. Le Mexicain qui n'a pas décidé justement de fermer le jeu, et maintenant c'est le contre qui va pouvoir s'avancer pour Dax avec Luis Suarez. On a vu l'appel de Ronaldo sur le côté gauche. Dax ici, le Ronaldo chope avec Luis Suarez qui a vu la défense du Mexicain se replacer. Dax qui n'a pas pu aller plus vite sur cette action. Mais c'est pas terminé, Bruce. C'est pas terminé. C'est magnifique, s'il était quand même mené il y a 10 minutes, et là c'est lui. Et quel mental de ce jeune joueur qui mérite vraiment vos applaudissements, et qui d'ailleurs est félicité par Ulibarri. Très fair play le Mexicain, quel mental de la part de Dax, quel retour. Merci aux deux joueurs, merci à vous aussi au cast de nous avoir fait vibrer sur ce match. Nous on va marquer une courte pause, on se retrouve dans quelques instants. Restez sur cette scène de l'ESWC 2017 puisque très bientôt on va commencer l'ESWC Kids sur Pokémon Tournament. Voilà, deux jeunes qui ont moins de 14 ans et qui vont s'affronter sur ce jeu de versus fighting. On va voir ce que ça va donner. Donc voilà, restez avec nous et on enchaîne ça dans quelques instants sur cette grande scène de l'ESWC 2017. A tout de suite!